mes amours, hier soir, je vous racontais. Hier soir, donc Akram m'a dit, viens, on regarde le reportage de Loana. Donc du coup, on l'a regardé. C'était un truc qui est passé sur TPMP. Et franchement, ça m'a fait trop de la peine. Parce que Loana, genre, c'était la star de télé-réalité. C'était la Nabila, mais d'avant. Et du coup, genre, elle a tellement été mal entourée que elle a sombré dans la drogue et la pauvre, elle a sombré dans la dépression et tout. Et franchement, ça me fait trop de la peine. Et moi, je sais que je suis suivie par des jeunes. Et franchement, si on vous dit de prendre la drogue, que la drogue c'est cool, que la drogue, c'est pas vrai. C'est de la grosse merde. Moi, vous savez, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà fumé un joint. Vous savez où j'ai fini? Aux urgences, à l'hôpital. J'ai failli mourir, j'ai fait de la tachycardie, j'ai fait un bad. C'était parce que c'était des amis qui m'ont dit tiens, tire de là, ça va rien te faire. Au final, j'ai fini à l'hôpital. Donc vraiment, c'est dangereux. Sinon, à part ça, je n'ai jamais pris aucune drogue de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Oui, je sors. Oui, quand je sors, je bois. Mais la drogue, aucune drogue, aucune drogue. Et franchement, faites attention. Que ce soit un joint, si on vous dit un joint, c'est rien, c'est comme la cigarette. C'est pas vrai. C'est hyper, hyper dangereux. C'est pas du tout comme la cigarette. Parce que moi, j'ai fini à l'hôpital. Je vous jure, sur la vie de ma mère, j'ai fini à l'hôpital. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'avais le cœur qui battait à la chamade. Je transpirais, j'avais le visage qui était bloqué, comme ça me faisait dans le visage, mais sans mentir. Ensuite, ils m'ont pris ma. Bah, je me suis mise à trembler, ils m'ont pris la température. Et en fait, mon corps il s'est refroidi, je suis descendue à 35 de température. Et genre, c'est hyper dangereux. C'est encore plus dangereux de descendre en température que de monter, que d'avoir de la fièvre. Tout ça à cause de deux lattes d'un joint. Donc, c'est hyper, hyper dangereux. Donc, vraiment, les jeunes qui me suivent, la drogue, c'est dangereux. N'en prenez pas. On peut gâcher sa vie à cause de la drogue. Ça rend dépressif. Ça te tue les cerveaux. Ça te tue le cerveau. Ça peut te rendre fou. Tu peux rester bloqué. Tu peux finir en psychiatrie. Tu peux finir bipolaire. Tu peux avoir des maladies psychiatriques. C'est super dangereux. Donc, vraiment. La drogue, même les ballons. Vraiment attention. Moi, je vous le dis parce que regardez, j'ai 23 ans. Je suis quand même une adulte. J'ai fini à l'hôpital. Donc, quand vous êtes jeune, ça peut être encore plus dangereux. Il y en a qui restent bloqués. Il y en a qui font des crises cardiaques. Il y en a. C'est trop dangereux. Les maladies psychiatriques, c'est trop dangereux. Ça peut te rendre fou, fou. Après, prendre des antidépresseurs. Une fois que tu es sous antidépresseur, là, tu seras plus jamais toi-même. C'est très grave, c'est très dangereux. Donc voilà, tous les jeunes qui me suivent, si on vous dit que la drogue c'est cool, c'est pas du tout cool. Pour moi, c'est has-been, déjà, c'est dégueulasse. Et en plus de ça, c'est très, très, très dangereux. Alors, si vous voulez vous amuser, je veux bien que vous sortez, que vous buvez des verres et tout, ça, ok. Mais faites quand même attention parce que l'abus d'alcool, c'est dangereux. Mais soyez anti-drogue et si un jour il y a quelqu'un qui vous en propose, qui vous dit que c'est cool, ne l'écoutez surtout pas. Parce que vous pouvez carrément. Donc voilà. Et franchement, quand j'ai vu le reportage sur Loana, franchement, c'est trop triste. C'est trop, 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 trop triste. Ce qui lui est arrivé. Elle a tout perdu. On lui a volé tout son argent. On l'a mise dans la drogue. La drogue, ça l'a fait perdre. Enfin, elle n'était plus elle-même. Elle a fait deux crises cardiaques à cause de ça. Elle est tombée dans la dépression et tout. Donc voilà, c'est super, super dangereux. En plus, là, j'ai vu qu'elle a fait une overdose et c'est très dangereux. Donc vraiment, les jeunes, s'il vous plaît, faites attention à vous. Loana, je lui envoie tout mon soutien et j'espère qu'elle ira beaucoup mieux qu'elle se remettra de son overdose. Et j'espère qu'elle arrêtera tout et qu'elle se mettra dans le droit chemin. Qu'elle soit heureuse toute sa vie, c'est tout ce que je lui souhaite, tout le bonheur du monde. Et vous, faites attention.